jeu est vraiment extraordinaire. Regardez bien. Hey, salut à tous les amis, c'est Ispartic, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais un petit peu me représenter parce que je suis passé sur Code CF récemment. Oula, j'adore cette chaîne et ça m'a fait un max de publicité. Nous étions 400 sur la chaîne il y a à peu près un jour et demi de ça. Et là on est à peu près 572, bientôt 600. C'est vraiment un truc de grand fou, alors je vais essayer de me présenter un petit peu. Ça va être un peu chiant pour ceux qui étaient déjà sur la chaîne, mais je vais essayer quand même de me représenter de façon humoristique. Humoristique, attention, préparez-vous au pire. Tout simplement pour occuper vos petits yeux, j'avais pas envie de faire une vidéo sur un petit FPS dès le matin comme ça. Tel Call of Duty ou tel du Titanfall. Donc on va partir sur les petits jeux de merde qu'on a sur la Xbox. Je sais absolument pas ce que ça va donner. J'adore les jeux de montgolfière et d'avion. On va mettre celui-là. Je sais pas trop ce que ça va donner, les amis. En tout cas, ça peut être cool. Oula, Konami, gros éditeur. Ok, ça fait juste 40 ans qu'ils ont plus fait de jeu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez le soleil éclipsé, j'espère que vous avez le soleil tout simplement parce que c'est l'été, ça fait vraiment du bien. C'est pas l'été, c'est le printemps, je le sais, pas besoin de me le dire, mais franchement ça fait bien plaisir. Ok, alors là va falloir m'expliquer le menu de l'an 2000. On comprend pourquoi ce jeu est gratuit. Tu peux charger ton meilleur score que si tu as acheté la version complète de ce jeu. D'accord, moi comprendre. On peut jouer à deux? Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Juste pour le délire, j'ai envie de brancher une manette secondaire. Le jeu ne m'attend pas. Wow! Alors comment on fait? Ok, donc... Wow! Ah ouais, il s'en passe vraiment des trucs dans ce jeu. C'est on se retrouve aujourd'hui sur un jeu d'avion édité par Konami. Vraiment extraordinaire, développé avec un budget d'environ le reste de la monnaie du pain. Oula, oulala, est-ce qu'on peut trickshoter? Bah voilà, on a trouvé la technique, il suffit de tourner en rond. Ce jeu est vraiment extraordinaire, les amis. En fait, si vous regardez bien, c'est l'avion. Si vous regardez bien, l'avion ne bouge pas, c'est le décor qui bouge derrière avec les avions. C'est vraiment de la grosse dope, mais ça fait plaisir, c'est les petits jeux comme ça. Oula, 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 on va péter le score. Bon, pendant que je dis de la merde, pendant que je dis des bêtises, on va essayer de se concentrer, de se présenter un petit peu. Moi, c'est Ispartic, ou Thibaut dans la vraie vie, attention, attention, ça balance des dossiers. Non, ouf, la balle, on habite. Ok, moi, c'est Thibaut dans la vraie vie. Je suis un garçon, Sherlock, j'ai 17 ans et je suis au lycée tout simplement. Pour moi, YouTube, c'est avant tout une aventure humaine, c'est une passion, qu'on soit beaucoup ou pas beaucoup. Enfin, c'est bien d'être beaucoup, hein. Moi ça me fait plaisir, mais je fais pas ça pour l'argent. L'argent, j'en ai déjà, il n'y a pas de problème. C'est absolument pas pour l'argent ou autre, c'est pas non plus pour la notoriété, même si ça fait toujours plaisir. Plus on est de fou, plus on rit. Donc ça me fait plaisir qu'on soit beaucoup beaucoup, mais je fais pas ça du tout pour l'argent ou autre, c'est tout simplement pour l'aventure humaine. De l'argent j'en ai, mes parents ils peuvent m'en donner si je veux, y'a aucun problème, vous inquiétez pas pour ça. C'est vraiment, je vois ça comme un peu Pika Express, comme une aventure humaine. Vous rencontrez des gens, vous dialoguez avec eux, vous avez leur avis, c'est vraiment cool. Je peux mettre mes compétences, parce que plus tard j'aimerais travailler un peu dans la publicité. Je peux mettre mes compétences au service de ma chaîne YouTube, ou l'inverse, je pourrais mettre la montgolfière, on l'a évité. Eh, reviens, reviens, je t'aime bien. Ok, on va peut-être arrêter ce jeu. Yeah, c'est de la musique de rap toute la journée sur mon canapé, à geeker, à jouer à Time Pilot. Toi, t'es mon pote, bien joué. Je crois que je vais créer une team compétitive sur ce jeu. Comment on quitte? Quittez le jeu, oui, s'il vous plaît. Comment on quitte? On ne peut pas quitter ce jeu. C'est une blague. Parti. Classement, succès, aide, débloqué, repasser. On ne peut pas quitter, on est obligé de faire une interface. C'est vraiment très décevant, les gars. C'est un piège, ce jeu. Un truc pas trop tendu, tiens, ça a l'air bien. Un jeu d'autruche, oui, bien sûr. Et sur ma chaîne, il y a une particularité. C'est j'ai des petits talents de cinéaste. C'est pas du talent, c'est juste que j'aime bien ça. Par exemple, sur ma chaîne, vous pourrez trouver des trucs comme ça.
Je voulais vous remercier tous d'être venus de GodSave sur ma chaîne, c'est un truc de fou. Tout d'abord, faut savoir que je savais pas trop comment vous remercier. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo fun sur ce genre de jeu et what the fuck, pourquoi je suis sur une autruche, c'est quoi ça? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? D'accord, faut leur planter l'anus dans la tête et elles pondent des espèces d'œufs verts. Est-ce que ça me fait mal? Je ne fais rien, cette autruche avance toute seule. Hé, regardez-la fuir. Il y a la honte sur son visage. Wow. Donc il faut savoir que je savais pas trop comment vous remercier et me présenter. J'ai hésité à vous faire une petite visite de ma maison pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Mais j'ai vite oublié l'idée. Alors là, on est dans les toilettes. Voilà. J'ai hésité à vous montrer ce que je fais au quotidien, mais j'ai vite aussi oublié l'idée, hein, franchement. Wow! Action de la journée! J'ai hésité à vous montrer ce que je fais d'habitude, mais tout simplement je vous le montre là. Voilà. C'est quoi ça? Un vélociraptor? Les gars, on a le prédécesseur du nazi zombie, c'est des waves d'autruche. Les gars, pour conclure sur cette vidéo et rester un minimum sérieux, en résumé sur ma chaîne, vous pourrez trouver des gameplays, des montages, du Call of Duty, du Titanfall, des vidéos complètement délire sur un tas de jeux, du grand n'importe quoi, des vidéos en coop, à plusieurs. Encore une fois, on est là pour s'amuser, c'est que du fun. Je vous encourage à mettre des petits pouces verts sur mes vidéos, ça encourage vachement. À dialoguer avec moi, à rejoindre la page Facebook, on n'est pas beaucoup, mais je parle avec avec une dizaine de personnes sur la page Facebook, ça me fait bien plaisir. Dédicace à eux, dédicace à chacun d'entre vous, mes abonnés. J'espère que vous aurez aimé les petits montages IRL. Et bonne continuation à vous. J'aime bien quand je bug sur les fins d'intro.